Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 20e épisode déjà de mon Let's Play sur le jeu sport saison 3. Alors, on a pas mal de choses à faire, là il faut qu'on chope énormément de systèmes de type T1. Oula, je devais ravitailler d'abord, je suis pas forcément en point. Donc pour le coup, il va falloir qu'on s'équipe un peu mieux. Je crois qu'on avait détruit un empire dans l'épisode précédent. Faudrait continuer un peu sur cette lancée. Toc, 300 000. Il faudrait s'équiper, il faudrait... Qu'est-ce qui reste comme gros machin? Il y a le méga laser qui nécessite Conquérant 3 ou Super Écolo 2. Le Ruine Planète. Le Ruine Planète. Il faudrait les moteurs différents aussi. Ah, on a pas mal de choses à choper quand même. On a quand même pas mal de choses à choper. Comment on va faire ça? Parce que l'idéal, c'est... Je me souviens qui j'ai... Attendez, la fiche... Il nous reste détruire un empire à coup d'explose planète, 50 planètes habitables, et bien sûr, celui évident, aller au centre de la galaxie. On va peut-être... je vais choper les différentes épices pour me faire un peu d'argent, et on va essayer de racheter les deux systèmes qu'on a... dont on a fait le lien économiquement, on va dire ça comme ça, je sais pas trop comment dire autrement. On va essayer de les racheter. Parce que ça pourrait être directement récupérer des bons systèmes, ça serait cool. Voilà, 45, ça fait un petit million. Toc, on a 4 200 000, ce qui est très très bien. On va essayer de vendre, on va essayer de vendre. Là par contre, il y a un truc qui va se passer. Non, pas ici. Il va se passer, si j'essaie de racheter le système et que je donne pas la somme convenue, la bonne somme, ça va recommencer à zéro. Ok, c'est bon. J'ai chopé. Je l'ai chopé. Bon, économiste 1. Donc on a récupéré un nouveau système T1. Faudrait que je commence à compter les systèmes parce que sinon, ça va pas le faire. Quoi. Catastrophe écologique? D'accord, une catastrophe écologique, je vais bien ramener mes fesses parce que ça permet d'augmenter le badge écolo, ce qui pourrait nous donner accès directement aux ruines planètes assez simplement. C'est lequel? C'est des Pikachu? C'est sur celui-là. À l'aide! Oui, j'arrive, j'arrive. Alors. Non, arrête de bouger. C'est bon. Alors, pourquoi ça rame? C'est pas un jeu qui fait ramer d'habitude, c'est un vieux jeu. Arrête de bouger. Cette manie de se foutre sous les arbres, c'est quand même très très casse-pied. Alors, faut aller voir ailleurs. Ah, le radar, enfin. Oups. Ça y est, écosystème sauvé. Et ça se vend que dalle là. Pas le genre le racheter à beaucoup plus. Quoi. Empire Steampunk Dragon, qu'est-ce que vous voulez? Ok, Alliance, si tu veux, de toute façon, il faudra que je te défonce plus tard. On les connaît pas, eux. Ah, ça pourrait être cool de les attaquer directement, eux. On les connaît pas, ils sont neutres. Et ils ont un vaisseau Pikachu. Ce qui est extrêmement craignos. Vous êtes présenté, moins 10, boum. Allez, on y va. Donc là, c'est une T0, donc... on bourrine. Sans réfléchir. Ah non, le Pikachu, c'est mes alliés. C'est vrai que c'est dégueulasse, comme ça. Voilà!
Toc. Une planète éliminée déjà. On va faire les autres rapidement. Ah, ça y est, je suis en guerre. En tas de gros charbon à forme. Aïe. C'est une T0? Ouais, c'est une T0, donc on va pouvoir la bourriner. Ah mais c'est genre super puissant. Ça fait un trou rouge sur la planète, on dirait une grosse tache. Et il reste seulement cette planète? Bah ça sera allé vite. Ouh, c'est une T3 rose. Intéressant. Bon après, je vais tellement la bourriner qu'il va plus rester grand-chose. Oups. Ah bah je vais pas détruire le... De base j'aime pas trop détruire les vaisseaux, enfin les vaisseaux, les villes, parce que du coup ça diminue le rendement de la planète. Enfin quand je m'en sers pas après, c'est pas très grave. Et oh. Je suis en train de me faire bien bourriner là, donc on va essayer de faire ça vite. J'ai pas envie de rentrer parce que ça fait des allers-retours pour pas grand chose. Ok, celle-là carrément éliminée. Celle-là aussi, et oh. Tac. Oh la vache, j'arrête pas d'éliminer les villes. C'est pas exactement ce que je veux en fait. Conquérir un système. Et pouf, une planète de plus. Bon, je l'ai un peu démoli, mais. Une planète de plus. Ah ah! Ça, ça va faire du pognon. Cousu d'or 4. Ça c'est cool. Donc en plus c'est une T3. Oh il y a quelque chose ici. C'est une T3, ce qui veut dire pas mal de production, c'est intéressant. C'est cool. Faut que j'aille voir pour l'autre système à racheter aussi. Je vais juste récupérer s'il y a quelque chose sur cette planète. Oula. Je vais finir par me faire défoncer juste à cause des trucs pourris comme ça. Objet friandise pour animal domestique, mais j'ai déjà celui-là. Oui, je suis très mal en point, je sais. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Ah ah! La planète qu'on avait... Qu'on avait augmenté, disons, on avait posé un monolithe, tout ça, elle est passée en phase espace, ça c'est cool. D'ailleurs, on va racheter ce système. Toc, l'offre est acceptée. Peut-être pas. C'est une T combien? C'est une T1. Ok, donc on a deux planètes T1 en plus. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Elle est où la planète? Ah, elle est là-bas. J'aurais bien aimé avoir le Ruine Planète du coup. On aurait chopé le Ruine Planète, on aurait pu défoncer l'Empire d'un coup. Mais ça aurait été tranquille. On va récupérer des pistes bleues et des pistes violettes. Toc. Pistes bleues. Ah, les pistes bleues, j'en ai 84. Ouais, peut-être que je trouve un endroit pour le vendre, quoi. Bah, peut-être sur l'Empire d'à côté. Ah, voyageur régulier 3. Ça y est, moteur interstellaire et passeport trou noir. Alors on va essayer le passeport trou noir. On doit aller voir ailleurs d'ailleurs. Ça sent que dalle. C'est nul, c'est nul. On va acheter le passeport trou noir, le moteur interstellaire déjà. Et les colonies. Et le bouclier. Voilà, bon. Il me reste 3 millions, presque 4.
Et il devrait y avoir une aventure, une aventure. Est-ce qu'on peut... C'est l'aventure. Le lama d'or. Ah ça, je crois que c'est une qui est déjà préchargée, donc... Donc celle-là, on pourrait la faire. On va faire une aventure. Tiens, ça va changer un petit peu de d'habitude. Non, c'était pas ici que je voulais aller. On va faire le lama d'or. L'aventure du lama d'or, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'aventure. C'est ici qu'il faut aller? Oui, c'est ici. Vauvaine. C'est là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On utilisera le passeport trou noir, je pense, dans le prochain épisode, vu qu'il reste une dizaine de minutes seulement. Allez, les ruines maudites. Explorez intelligemment les anciennes ruines pour trouver le lama d'or. Mettez-le à l'abri, puis revenez au point d'extraction. Prudence, beaucoup sont entrés, aucun n'est ressorti. Oui, bon, comme d'hab, quoi. En fait, on va se la jouer Indiana Jones. Vous voici dans les ruines de Zarazara. Ok, le nom. D'après la légende, un lama d'or massif... Non, un lama en or massif, j'arrive même plus à lire, serait caché ici. Trouvez-le, puis ramenez-le au point d'extraction en un seul morceau. Ok, bon bah c'est parti. Ah ouais, d'accord. Poignée de joyaux. Collecter ces poignées de joyaux, d'après ce que j'ai compris. D'accord, il suffit de marcher dessus. Oula. C'est ce genre du bourrinage ultime. C'est toujours aussi peu maniable. Oh la vache. Je ne manipule rien du tout. Tac. C'est bon. Faut examiner la porte de pierre. Ouais bah c'est une porte en pierre quoi. Les gemmes sont comme des clés pour ces dentelures. Voyons ce qu'il y a de l'autre côté. Une grosse bestiole, il semblerait. Bon, la grosse bestiole a été vite éliminée. Toc. Il y a encore des cristaux à récupérer. Et oh. Allez! Ah! Wesh. Ce jeu a vraiment des contrôles dignes d'un hérisson asthmatique. Alors, il reste des joyaux, il en reste 5 qui sont tous là. Tourne-toi, espèce de salaud. Bon, ok, vous m'énervez. Bien, je suis obligé de bourriner comme un fou juste pour leur enlever quelques PV. Quoi, il en manque? Il est où? Où est-ce que j'en ai loupé un? Ici. J'arrive pas à tourner, c'est affreux. Alors, la porte. Il y a une sorte d'inscription. Cela ressemble à un avertissement. C'est assez difficile à déchiffrer. Le gardien vous surveille. C'est pas le moment de se dégonfler. Trouvons ce lama d'or. Mais non, mais oh. Il y a des limites. Mais tourne! Ok, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais récupérer la santé. Ah la vache! Vive les contrôles pourris. Peut-être le faire à coup de... Ouh! Je sais pas comment j'ai fait pour rester. Ok, parce qu'il y avait de la lave en bas, c'était la mort assurée. Toc.
Et le dernier joyau, le lama d'or. Oups. Je crois que là il va falloir courir. Ouais. Faut courir et vu la maniabilité de ce truc, c'est pas gagné. Et pourquoi il devient tout de suite... Ouh là là. Je me casse. Je me casse. J'ai dit je me cassais. Il y a une grosse bestiole au-dessus là. Ouais d'accord. Le gardien... Ouais, c'est pas dans le bon sens. Avec 500 PV et des patates. On se tire. Laissez-moi passer. Et... Collision et maniabilité dans ce jeu sont juste horribles. Bon, c'est passé. Mais c'était casse-pied. C'est vraiment bête que j'arrive pas à utiliser les aventures qu'on peut télécharger. Je suis passé mercenaire. Ouais, on va rester en mode... En mode baston. Hein. Voilà. Donc on l'a fait. Petite aventure. Bien sympa. Ça faisait longtemps. Et 30 000 sport plus. Ce qui veut dire rien du tout par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et on a missionnaire 3. Bouton astéroïde. Laisseur d'atmosphère. Pack énergie maxi. Ok, d'accord. Alors là, ce qu'il nous faudrait, c'est trouver un trou noir. Je crois qu'il y en a un ici. Je suis pas sûr que ce soit là, en soit un. On va aller voir. On va aller voir si celui-là n'en est pas un. Je pense pas. Tiens, il y a une. Il y a un empire. Qu'est-ce donc? Non, c'est juste une grosse étoile bleue. Il y a possiblement quelque chose ici. Non, c'était pas possiblement. C'est tout? Oh là. C'est allé vite. Donc, le trou noir, on va plutôt aller là-bas, alors, du coup. Quoi? J'ai pas violé votre territoire. Donc, le passeport trou noir, où est-ce qu'il pourrait y avoir des trous noirs? Je pense que les gros machins qu'on voit là-bas, bien lumineux, sont des trous noirs. Sauf que, bien évidemment, il n'y a absolument rien pour passer à ce niveau-là, à ce niveau-là. Ah, si, peut-être là-bas au fond. Par ici. On va aller voir ça. Et là, non. Bah, c'est la loose, quoi. On peut même pas sortir de ce bras à ce niveau-là. Peut-être que si on va dans l'autre sens... On va essayer dans l'autre sens. Par contre, c'est quoi tous ces petits... Les indicateurs un peu partout, c'est quoi? Ça veut dire chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on va... On va ravitailler déjà. Alors, je vais essayer les trous noirs parce que dans les saisons précédentes, en fait, quand j'utilisais la version de mon disque, eh ben, ça crachait à chaque fois. C'est-à-dire que je pouvais passer dans le trou noir, je rentrais dans le trou noir, mais je pouvais pas en sortir. Je suis en guerre avec eux depuis quand? Je sais pas. Je pouvais pas sortir de l'autre côté. Du coup, bah, les trous noirs servaient un peu à rien. Et il semblerait... Oh, je suis trop loin. Il semblerait que je puisse même pas passer par ici. Ah, si, quand même. En tout cas, heureusement que j'ai changé de moteur interstellaire, sinon c'était pas possible. Là, il y en a un, deux trous noirs. Il y en a un. Donc là, il y a quelque chose aussi. Est-ce que je l'essaye maintenant ou pas? Je pense que je vais attendre le prochain épisode, parce que je regarde ma montre, il reste 50 secondes. On va sans doute arrêter là pour l'épisode. Je ferai ça dans le prochain parce qu'au pire, si ça plante, eh ben, j'aurai pas tout un épisode à refaire. Voilà, comme ça au moins ça sera plus pratique pour moi et ça posera pas de problème.
Bon, bah en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure et on ira dans ce trou noir. Allez, salut à tous!